Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est dimanche. Alors je vais faire. J'ai mis la petite au moment calme. Là il faut que je fasse à manger, il n'y a rien de prêt. Je vais faire depuis je voulais faire la tarte au thon à la catalane. Je fais comme ça. Là je suis en train de faire pré-cuire ma pâte. Je vais mettre une tomate dessus. Je vais voir, je vais vous montrer. J'ai fini, voilà, nos assiettes. Je vois même pas si c'est bien cadré, voilà. Et la boulette du jour, voilà. J'ai pété une assiette. Voilà, super. Bon. On se réveille de la sieste. Moi et la petite, on se réveille de la sieste. Bon, Sébastien, c'est pareil, comme s'il a fait la sieste, hein, et il a fait de la play. Tu arrêtes. Bon, bah, il fait moche, hein. Il pleut, bergère. Donc, je vais faire des petits moelleux au chocolat. Parce que l'envie ne m'est pas passée. Et bon, je vais. Est-ce que vous me voyez? Là, voilà. Je vais faire des moelleux au chocolat, un tiramisu, parce qu'il y a le mascarpone. Je sais pas si je vous l'ai pas déjà dit. Je m'en rappelle pas. Et après pour ce soir, je vais faire des tacos. Voilà. Ouais, j'en ai bien envie. Bon, les tacos, moi je fais simplement avec plusieurs viandes différentes. Viande hachée, merguez pour mon mari, cordon bleu. Frites sauce fromagère. Moi je prends que de la viande. Viande hachée, merguez, ketchup, mayo, point final. Et les frites. Les frites, j'en ai pour mon mari, moi pas beaucoup. Je préfère vraiment les tacos presque à la viande, quoi. Voilà, allez, on est parti. Si vous voulez les recettes à chaque fois de ce que je fais, demandez-moi, je vous les mettrai en barre de description. Demandez-moi, ou même rejoignez-moi sur Instagram, je vous le mets là. Et vous me demandez, je vous réponds facilement dans l'heure qui suit, quoi. Fondant, comment ça fait, et voilà, là c'est bien, fondant au milieu, coulant même.
astuce pour le tiramisu, quand je le mets au frais, dessous je mets, voyez, une, je sais pas si vous voyez, attendez, voilà, ouais, une petite poche comme ça de froid qui est tout le temps au congélateur. Vous savez, c'est les poches de froid qu'on utilise quand on s'est fait mal. Je les avais achetées chez Lidl, mais moi ça me sert pour tout, même pour quand je vais acheter du congelé et tout, je garde ça. Et là en fait je le mets dessous mon tiramisu, comme ça il va refroidir encore plus vite, parce que vu que la crème vous la manipulez, elle se réchauffe, malgré que moi je la laisse bien 5-10 minutes au frais après l'avoir manipulée, et elle se réchauffe et elle se liquifie un peu. Donc je mets le truc dessous, comme ça au moins ça refroidit encore plus vite. Bon, allez, je passe au tacos. Bon, la petite, elle a eu des petites patounettes de maïs avec des petits pois et du fromage râpé. Là, les frites sont en cuisson. Bon, ben, je suis en train de faire le montage là de cette vidéo. J'en profite pour clôturer le vlog. Aujourd'hui, ben, ça a été journée détente, cuisine. Voilà, cool. Cool. Ouais, demain, il faut que je me lave les cheveux. Ça serait bien. En plus, j'ai tous ces petits cheveux là qui rebiquent. C'est merveilleux. C'est Bozo le clown. Voilà, je vous dis à demain dans un nouveau vlog. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce et un commentaire. Ça nous fait très plaisir. Je vous laisse et ciao!